Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. L'équipe des Louves rentre de son match contre la Stella Calais. Quel est ton compte rendu s'il te plaît? Une nouvelle victoire à l'extérieur et une victoire à 3 points. Donc encore une fois une belle satisfaction et on reste dans une bonne dynamique et dans le meilleur classement possible pour le moment. Donc on va rappeler les scores des différents sets, 14-25, 19-25 et 16-25, tout en bénéfice des Louves bien entendu. On a quand même remarqué beaucoup de fautes et surtout au service. Est-ce que ce match aurait pu être beaucoup plus rapide? Non, on a fait des fautes au service parce qu'on essaye de provoquer une rupture au niveau du service et de la réception adverse. Donc quand on prend des risques et quand on sert de manière agressive, c'est normal qu'il y ait quelques déchets. Sur ce match-là, il y en a eu, mais il y a eu aussi beaucoup de très bons services qui ont mis en difficulté la réception calaisienne, qui a facilité notre travail au bloc et notre travail de défense et de contre-attaque. Donc samedi, vous recevez Rennes pour un match à domicile. Quels vont être les points à surveiller? Déjà, essayer d'enchaîner une troisième victoire consécutive, ce qui ne nous est pas arrivé depuis le début du championnat. Donc, redorer un peu notre blason en domicile parce qu'on reste sur deux défaites consécutives et qu'il faut absolument gagner contre Rennes si on veut être sur le bon chemin pour la qualification en play-off, qui est l'objectif prioritaire du club. Et donc voilà, il va falloir être très sérieuse, respecter cette équipe de Rennes comme on a respecté l'équipe de Calais et faire en sorte de trouver suffisamment de qualité pour s'imposer à domicile. Donc on sort à la samedi pour bien vérifier que ces objectifs soient tenus. En attendant, passez une bonne semaine d'entraînement. Merci beaucoup, à très bientôt et à samedi tous au POJC.